résidus de vie qui tombent et s'amoncellent. Fertilise et donne la vie. Offre le luxuriant à ce tableau. La nature sauvage et organique, celle qu'on cherche parfois pour se ressourcer. Celle-là, cette forêt mère qui sent l'humus et la douce pourriture, c'est le point de départ. Voilà. Entrée en action soudaine, avec certains points chauds. Les traces s'accumulent et ne s'effacent pas. L'histoire est violente. Le ton est donné. Lit de cendres et de sang. Et ensuite ? Ensuite, faut faire de la place. Beaucoup de place. Les forêts deviennent plaines. Les plaines des champs. Découpées en parcelles et scarifiées. La terre prend un prix, elle devient un chiffre. D'ailleurs, tout se chiffre. Du labour à la récolte, il y a des hectolitres de sueur. Deux cents ans de sueur, c'est un chiffre. La sueur des hommes et des femmes enchaînées. La chaleur et la poussière viennent ensuite sécher tout ça. Et c'est alors que se déposent les poisons. Largement. Généreusement. Oui. On peut tout essayer. Tout imaginer. Tout se fait. Tout a un prix. Oui, mais là, on ne compte plus. Ce qui enlève le luxuriant à ce tableau. Une fois lessivé en surface, il faut chercher plus loin, plus profond. Tout ce chiffre, même ça. Un nectar nauséabond qu'il fallait laisser au fond. Une bonne couche. Il est réparti ensuite en croûte épaisse et hermétique. Et ça s'agite là-dessus. Un flot quasi incessant de vibrations quadrille l'espace. Et s'il manque du nectar, on fracture en profondeur comme on racle le fond d'un pot. Allô, sale. Le secret. Quel secret ? De fines particules du sang des hommes à diffuser régulièrement depuis le début de l'acte. Doucement. Délicatement. Quelques gouttes sur le sol pour relever ce qui se prépare. D'ailleurs, c'est presque prêt. Reste à faire table rase pour le prochain décor. Une force est en marche. Allez, viens. Avance. Le luxuriant n'est plus. Et couvrir le tout d'une dalle de béton
ça repose, ça macère. Les résidus de cette histoire forment un tout, maintenant, là, sous une maison. Ils engendrent une nouvelle vie. Doucement. Délicatement. Là. La bête va naître. Oui, enfin, elle s'éveille. Elle se lève.